Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On continue à parler football sur le plan national. Il n'y aura qu'un seul match aujourd'hui à la Ligue 1 de la RDC. Contrairement à l'ancien calendrier, il n'y aura que le match entre le CR Renaissance du Congo et la Estofanoire. Le match ne va plus se jouer à 15h30, mais il a été avancé à 15h juste au stade Tata Raphaël, le CR Renaissance du Congo qui n'a pas encore joué de match sur terrain. Vous le savez, Renaissance avait remporté son premier match par forfait puisque son adversaire ne s'était pas présenté sur l'aire de jeu. Renaissance jouera son premier match sur terrain aujourd'hui, donc face à la formation de l'AS Dauphinoire. Dauphinoire qui reste sur un exploit, cette victoire devant la formation de l'AS V Club, 1-0 dernièrement au stade des stade Tata Raphaël de Kinshasa. Je vous propose d'écouter le coach, l'assistant du coach de la formation du FC Renaissance du Congo. Il est l'adjoint de l'assistant du coach de la formation du FC Renaissance du Congo, Timothée Diongo, qui était hier en conférence de presse d'avant-match. Bon, on a suivi les matchs entre Dauphin Noir et V Club, mais nous, on ne travaille pas en fonction des Dauphins Noirs. C'est Dauphin Noir qui doit travailler en fonction des. Alors, si vous regardez, vous allez voir que Dauphin Noir a mis au point le mécanisme pour contrer V Club et gagner V Club. Cela veut dire que, comme on fait en athlétisme dans des courses de 400 mètres relais, vous allez voir quelqu'un qui est devant. C'est en fonction de celui qui est devant qu'on travaille, que tout le monde travaille. Alors, nous, aussi Renaissance par rapport au Dauphin Noir, Dauphin Noir doit travailler en fonction de nous. Et nous, on est là pour venir mettre notre dispositif, chercher à gagner les matchs, c'est ce qui nous intéresse. On ne peut pas commencer à s'éterniser, à dire « Dauphin Noir a joué comme ça, nous allons faire ça ». Non, c'est à Dauphin Noir de les faire. Moi, je ne pense pas qu'on sera pénalisé parce que, étant entraîneur, nous utilisons plus ce que nous appelons l'adaptabilité. Je crois que ceux qui nous ont suivis pendant l'entraînement hier, ils vont comprendre qu'on avait fait un match amical. D'ailleurs, on ne savait pas qu'on devait jouer ce mercredi parce qu'on se disait, pendant que les autres sont en train de jouer, si nous, on ne fait pas des matchs amicaux, on sera en difficulté. Et hier, on a joué contre New Jack de la Ligue D pour nous permettre à se mettre dans le même rythme et dans le même diapason que les autres. Donc, on est en train de travailler sur ça et on est confiant que les enfants vont répondre. Voilà maintenant, l'étape la plus difficile pour Dauphin Noir, c'est ça. Tant mieux jouer avec un adversaire que tu connais et un adversaire que tu ne connais pas. Dauphin Noir ne nous a pas vu jouer. Nous, on a fait des matchs amicaux. Mais nous avons vu Dauphin Noir en train de jouer. Alors, nous, on viendra avec notre principe de jeu, notre discipline tactique, notre philosophie de jeu. C'est maintenant à Dauphin Noir de vouloir étudier comment nous bloquer. C'est pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas travailler en fonction des. Parce que nous avons envie de faire notre jouer. Alors, par rapport à notre discipline tactique, lui, il ne connaît pas. Par rapport à notre philosophie des jeux, il n'a pas l'idée sur ça. C'est comme ça que nous, on s'est limité dans des matchs amicaux. Vu qu'on est en retard, on a fait nos matchs. J'ai insisté à dire, nous n'allons pas travailler en fonction de lui. Et c'est lui qui va jouer contre nous. C'est à lui de voir comment jouer avec nous. Parce que nous, on paraît comme un adversaire que lui ne connaît pas. Mais nous, on l'a vu jouer. Donc, on a une idée sur Dauphin Noir. Mais lui, il n'a pas l'idée sur nous.
Nous avons des joueurs aguerris, bien entraînés. Je ne pense pas que ça va apaiser. La confiance que nous avons, je crois la fois passée, je l'ai dit tantôt ici. La confiance est par rapport à la qualité d'entraînement que nous donnons à nos athlètes, par rapport aux éléments que nous avons. Donc, l'un de vos confrères nous ont demandé est-ce qu'on aura des gens qui pouvaient faire vibrer Kinshasa comme c'était à l'époque de Mili Moué Consort. Je lui avais dit, vous allez voir quand nous allons jouer. Nous avons des joueurs dignes de Renaissance qui peuvent faire de grands matchs. C'est pourquoi ça nous amène, nous les entraîneurs, vu le travail, vu ce que les membres du comité sont en train de mettre en place, ça nous rassure. Et vous devez avoir un élément à savoir et que aucun entraîneur peut préparer son équipe pour aller perdre. Et quand on prépare une équipe, il faut être sûr et très sûr des éléments que vous avez. Nous n'allons pas aller emprunter les joueurs de Mazembe, ni de Mpopo, ni de Real de Madrid, ni des vrais clubs, mais nous allons jouer avec les joueurs de OC Renaissance dont nous, les entraîneurs, on a demandé à ce que les dirigeants achètent. Et alors, si ce n'était pas des joueurs ayant ce niveau, on ne peut pas avoir confiance. Mais nous, nous avons confiance parce que nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix des éléments et ces éléments vont défendre l'OC Renaissance comme il faut. Et ces éléments, moi je sais, je crois que ça sera la deuxième fois de les dire, ces éléments seront dans nos versions de l'équipe nationale. Peu importe Chan, même dans l'équipe senior, vous allez voir le principal des seniors solliciter les joueurs de l'OC Renaissance parce que ce sont des joueurs de qualité. Non, la fois passée, on a fait notre conférence d'avant-match. Il n'y a pas eu match. Et hier, on a fait un match amical contre New Jack. Et ce que nous avons vu, c'est à nous de se dire si on jouait contre Dauphin et que tel élément s'est présenté, on doit les régler. Nous avons la journée d'aujourd'hui encore pour faire des petits réglages que nous avons peut-être constaté hier que ça n'a pas cloché. Parce que si on avait joué le lundi, le match de championnat, on allait plus voir que tel élément, malgré qu'on a gagné, parce qu'on allait gagner, tel élément n'a pas tourné. Alors, il faut faire ça. Mais malheureusement, on n'a pas joué. C'est pourquoi nous sommes allés recourir à New Jack, une équipe de Division 2, pour jouer avec. C'était d'abord un bon match. Et ils sont venus avec l'ambition de gagner aussi Renaissance. Ça créait de l'émulation et c'était quand même bien. On a vu ce qu'on pouvait voir. Ça nous permet aussi de continuer à travailler. Vous savez, quand vous jouez avec les grands clubs, nous avons l'intérêt d'aller les voir. Peu importe, même dans les entraînements, voir ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je dis, Dauphin Noir ne nous a pas vu jouer pendant le match des championnats. Si on avait déjà joué le championnat, il allait dire, oui, je les ai vus jouer. Ils ont tel joueur qui fait ça. Mais par contre, nous n'avons pas encore joué le match des championnats. C'est à Dauphin Noir maintenant de dire, nous avons été peut-être dans leur match d'entraînement pour voir comment Renaissance est en train de procéder. Renaissance met tel dispositif, Renaissance met telle philosophie de jeu, telle discipline tactique. Parce que nous, on n'a pas joué le championnat. Nous avons un nouveau groupe. Nous avons gagné un match sur tapis vert. Alors, on a fait des matchs amicaux. C'est à l'adversaire de faire des recherches par rapport à nous. Mais nous avons ce que nous avons vu. Dauphin Noir a joué contre V-Club. Voilà, il a joué comme ça. Donc, par rapport à notre dispositif, par rapport à notre discipline tactique, par rapport à notre philosophie de jeu, Nous allons mettre ça et que lui fasse quoi? Remonte vers nous, c'est tout. Ah oui, vu les entraînements et la préparation qu'on a fait, et voilà, donc je pense qu'il y a une évolution chaque jour dans nos entraînements et dans des matchs amicaux. Et si on voit comment on avait commencé et là où on est arrivé, donc on est très confiant. On est très confiant et on sait très bien qu'on sera capable de faire quelque chose de bien pour satisfaire notre public, voilà. Catholique, catholique fibo, comme nos supporters aiment bien le dire. C'est un stade
que nos supporters ont de très bons souvenirs pour nous. Et voilà, donc j'espère qu'ils seront là nombreux pour nous encourager et nous pousser d'aller de l'avant. Voilà, donc, c'est ça ce que je peux dire. Hein. Quand ils viennent, ils nous poussent toujours à faire quelque chose de bien, quoi. Donc ça nous motive aussi et j'espère que demain ça sera notre premier match. Ils seront là nombreux et surtout qu'ils ont faim et nous allons leur servir quelque chose de bien qu'ils auront du plaisir. Voilà. J'espère que les coachs ont visualisé les matchs. Et, voilà. Ils seront les tactiques qu'ils vont mettre en place pour que nous puissions faire un très bon match. Très bon match. On est très confiants de tout ce qu'on a fait pendant cette étape de préparation. Et voilà, donc, on fera de notre mieux pour faire quelque chose de bien. Voilà, c'est ce que je peux dire. Hein. Je sais que les supporters du FC Renaissance sont trop exigeants. Et nous aussi, les joueurs, nous serons concentrés et présenter un football qui sera à la hauteur, voilà. Et on fera que nos supporters soient satisfaits de ce qu'on fera demain. Ah, qu'ils viennent nombreux, comme ils le font toujours, venir nombreux nous soutenir et voilà. Il y a des gens dans le stade pour soutenir les gens comme dans la salle. On a l'entraînement de tout le monde. Là. Et ça va pousser les solutions pour que tout soit motivé. Tout ça est là-bas. Ça va bien. Il y a des gens. Donc, na catholique, na bangonde balbe na ngo bango moko catholique fibo. Baya wana ebele ba somba ba bien na bango surtout ba la discipline faire plaire et mieux donc voilà et surtout que na ebi ki ba za ba supporter ce moko très discipliné baya ebele pour soutenir ba joueur na bango baya ko mona effectif oyo ba coach ba ko présenter lobby ba rozala satisfait j'espère ba rozala vraiment satisfait na oyo ça et la bango ça. Voilà, c'était la Timothée Diongo qui est l'assistant de l'adjoint du coach principal de la formation du FC Renaissance du Congo. Et concernant ce match, voici comment se présentent les prix de différents billets. Pour le pourtour, c'est 2000 francs congolais. Pour la tribune latérale, c'est 5000 francs congolais. Pour la tribune centrale, c'est 10000 francs congolais. La tribune d'honneur, c'est 20000 francs congolais. Vous suivrez ce match en direct en intégralité sur les antennes de Top Congo FM. Je l'ai dit, le calendrier a été réaménagé et le match qui devait se jouer aujourd'hui à 13h30 au Santa Raphaël entre et Étoile du Kivu aura lieu finalement demain. Toujours demain, jeudi, l'ASV Club va jouer son deuxième match dans ce championnat. Ça sera face à la formation des Aigles du Congo. V Club reste sur une défaite 1-0 contre la formation de Dauphin Noir, alors que les Aigles du Congo, eux, restent sur une victoire de 2-0 face à la formation de Étoile du Kivu. Si tout va bien, vous suivrez aussi ce match entre V Club et les Aigles du Congo en direct sur Top Congo FM. Le choc entre le dernier club Motema Pembe et l'OC Renaissance du Congo, initialement prévu le samedi 16 septembre, a été ramené au dimanche 17 septembre. Desampé jouera donc au Serre Renaissance ce dimanche 17 septembre. Et puis ensuite, Desampé affrontera le 20 septembre la formation des Dauphins Noirs. Pour pouvoir préparer cette rencontre, ces deux rencontres d'ailleurs, Desampé s'est retiré dans la partie est de Kinshasa pour peaufiner sa préparation. Desampé reste donc sur 2 victoires, 6 points pour la formation de Kinshasa. Kinshasa, le club vert et blanc de la capitale.